Padawan à la prod. En vrai, je sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grand. La vraie, toujours pas de plan de carrière, je suis le vent. Je travaille seulement pour crailler, je préfère être franc. Je me taille dès que c'est l'heure d'y aller, si je peux je pars avant. Pas d'heure sup, j'ai plus besoin de temps que d'argent. Je trouve insupportable le comportement d'un tas de gens. Excès de zèle, ça flippe les collègues, pas besoin d'agent. Excès de zèle, un pouce en ma tête, décourageant. Je travaille pour vivre, je vis pas pour travailler. Je baille toute la journée, je sais pas faire le larbin. Du mal à suivre, j'essaye même pas de batailler. Je n'entame ma vie réelle que quand je quitte le turbin. Ça fait tout de même un sacré paquet de journées perdues. Quel gâchis, faudrait diviser le temps de travail par deux. Quand je regarde la pendule au boulot, j'ai la berlue. Avaché sur le bureau, temps immobile, j'enfile des perles. Alors forcément, quand on perd ses journées à faire des choses qui nous passionnent pas, avec des gens qui nous correspondent pas, on peut vite développer un goût pour la solitude. Et la nuit, de bonne compagnie, j'aime mes moments de solitude. Je m'entends bien avec moi-même, presque un cas d'étude. Je ressens ni honte ni gêne à rester dans ma bulle. On se questionne sur la vie que je mène, solitaire noctambule. La tranquillité de la nuit me sécurise, m'apaise. C'est trop compliqué, la vie ça m'épuise, me pèse. J'aime les heures où personne n'est disponible, à l'aise. Que quand le jour se retire avec ses pénibles falaises. Les journées ont leur lot de pollution en tout genre. Trop de comptes, trop d'obligations, ça dure presque 12 heures. On se débat pour des lots de consolation comme toujours. Quand je tente d'en parler, l'impression qu'ils sont tous. Alors comment ne pas avoir hâte de rentrer. Sur mes journées vides d'intérêt, tous les soirs je tire un trait. Si je disais que je crains la nuit et la solitude, je mentirais. La lune et mes drôles d'habitude me suffisent pour m'en tirer. Eh ouais, mais un tel mode de vie à la longue, ça pose obligatoirement problème. À vouloir rattraper mes journées perdues la nuit, mon taux de fatigue ne fait grimper et ça perturbe ma vie. À mes relations sociales et familiales sous la nuit, mon amoureuse et ma fille chérie ne sont pas toujours ravis. Absent et pourtant bel et bien présent physiquement. Absurde, je vis dans mon monde parallèle, pas dans le présent. Absorbé par mes textes, mode de vie typiquement abstrait pour la plupart, mais pour moi tellement grisant. Je me dois de présenter des excuses à tous mes proches. Si je continue, y'a pas que les journées que j'aurais perdu. Trop rare pour certains, j'abuse, je comprends les reproches. C'est pas voulu, je tente de changer, la tâche est ardue. Une journée de perte, 10 heures, trouver mon cul. Tous ces dictons à la con ne m'ont jamais convaincu. Je dois faire des efforts, mais désolé, je suis têtu, obtus. Le temps qu'on a est limité, alors je supporte pas qu'on le tue.